Les repas de Noël sont maintenant derrière nous. Si vous étiez hôte, il se peut qu'il vous reste des restants en ce matin, des réceptions des derniers jours. Comment réduire le gaspillage alimentaire le plus possible? On en parle avec Éric Ménard, expert en lutte contre le gaspillage alimentaire. Bonjour. Bonjour. Bon, ben, on est au lendemain de plusieurs soupers, hein? Quels sont vos meilleurs conseils là, pour les gens à la maison, peut-être qui recevaient beaucoup de gens? Souvent, on est un peu généreux, on va dire ça comme ça, dans les portions lorsqu'on prépare le repas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le plus possible les pertes? Je dirais, si vous n'avez pas envie de manger des restants pendant tout le restant du temps des fêtes, le truc le plus facile, c'est de le congélateur, en fait. La plupart des restes peuvent se congeler, puis vous pourrez les remanger le plus tard en janvier quand vous en serez revenu. Ça, pour moi, ce serait le truc le plus facile. Sinon aussi, de partager vos restes, si vous avez encore des gens que vous allez voir dans les prochains jours, de faire profiter de cette abondance-là aux gens. Donc, si on se divisait en plusieurs personnes, c'est plus facile à gérer souvent que si on se retrouve avec beaucoup de restes pour une personne. Comment on peut bien conserver? Bon, oui, on peut congeler, mais il y a d'autres aliments. Parfois, c'est un petit peu plus difficile de congeler. Si on a un gros restant de dinde, parfois, on a une place limitée là, dans le congélateur. Il est toujours possible d'essayer de réutiliser dans d'autres recettes rapidement les aliments. Oui, exactement. On peut vraiment donner une deuxième vie à ces restants-là de plein de façons. La dinde, on peut juste l'avoir comme du poulet ou une volaille, n'importe quoi. Donc, n'importe quelle recette, hein, finalement, dans laquelle on aurait mis du poulet, de la dinde, de la volaille, on peut utiliser donc les restants de dinde pour faire des sandwichs, des fajitas, des vols au vent, il y a tellement un sauté. Il y a mille et une possibilités, finalement, avec un restant de dinde. Fait que c'est, si on veut, comme la prêter de différentes manières, il y a vraiment moyen de faire. Et là, il y a des repas du Nouvel An qui s'en viennent, on le sait. Comment on peut mieux se planifier pour réduire le gaspillage alimentaire? Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a plein de façons. D'avoir en tête qu'on va avoir des restes. Hein. C'est sûr qu'on veut toujours qu'il y en ait plus pour être sûr de ne pas en manquer pour nos invités. Fait que de prévoir qu'il va y avoir des restes, ça va nous permettre d'éviter qu'ils soient gaspillés, ces restes-là. Fait que d'avoir peut-être déjà des contenants déjà prêts pour justement savoir comment dans quoi on va pouvoir les ranger aussi rapidement, hein, aussi parce que souvent, les mets pendant ces repas-là des fêtes, ils peuvent des fois traîner sur la table, sur le comptoir pendant plusieurs heures, pendant que les gens discutent, pendant qu'ils jouent à des jeux. Puis à ce moment-là, on risque de les gaspiller, surtout les viandes, les poissons, les fruits de mer, ces choses-là, si on les laisse trop longtemps à température ambiante, bien, on ne pourra pas les reconsommer après. Fait que d'avoir des contenants vraiment déjà rapides qu'on peut utiliser pour ranger les restes après que tout le monde se soit servi, tout le monde ait bien mangé, pour mettre les restes au frigo d'un premier abord, puis après, peut-être les congeler. Puis, de prévoir d'en faire peut-être un peu moins aussi, de vraiment calculer les portions en fonction du nombre d'invités qu'on a, puis de savoir que les invités vont nous aimer tout autant pareil, même si on en fait un peu moins. Je suis certain qu'ils vont être contents de toute manière. Et comment on doit gérer les dates de péremption sur certains produits qui sont achetés lors de nos réceptions des fêtes? Oui, bien ça, la date de péremption, effectivement, ça génère beaucoup de gaspillage alimentaire, souvent parce qu'on la comprend mal, la date de péremption. En fait, on dit une date de péremption, mais c'est une date meilleure avant. Fait que c'est beaucoup plus une indication de fraîcheur des aliments qu'une indication de salubrité. Donc, pour la plupart des aliments, cette date-là, meilleure avant, c'est vraiment pour vous dire que vous avez avantage à consommer l'aliment avant cette date-là, mais qui, dans plusieurs cas, l'aliment il va être encore bon après. Donc ça, il y a un super guide qu'on peut utiliser là, pour savoir quels aliments il faut faire attention ou d'autres que c'est moins grave. Un guide qui se trouve facilement sur Internet qui s'appelle « Meilleur avant, bon après » avec un point d'interrogation. Un guide qui est fait par le MAPAQ, le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture du Québec. Donc, il se trouve super facilement pour savoir comment gérer ça mieux, la date « Meilleur avant ». Donc, de beaux trucs à appliquer. Éric Ménard, expert en lutte contre le gaspillage alimentaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeuses fêtes. Merci à vous. Joyeuses fêtes. Au revoir. Au revoir.